Hey, salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour le retour du Toxic Sniper, et aujourd'hui spécial Advanced Warfare. Oh putain, ça fait plaisir, déjà des gros clips de porc qui ont été rentrés. Le jeu est pas sorti depuis une semaine, il y a déjà des clips de malade mental, et ça fait plaisir. Et alors c'est vrai que, bon, pour Advanced Warfare, les standards changent un petit peu, parce que la feed reste beaucoup plus longtemps, au lieu de rester sur 4 étages, elle reste sur 5. Donc pour l'instant, c'est pas très facile de déterminer les clips, ou la qualité des clips. Il semblerait que, premièrement, le terme de la rapidité d'exécution et la précision soient deux notions importantes pour juger un clip. En tout cas, je peux vous garantir que les 10 clips sont vraiment très très bons, et c'est pas si simple que ça. Et on commence tout de suite à la 10ème place, où on se retrouve avec Zitak, qui est, pour les maps, je connais pas encore très bien les maps, mais on est en point stratégique. Bref, au Morse, il va nous faire un petit kill derrière, il se retourne, les ennemis respawn dans ce sens là, il en profite, boum, il en code, fait attention, un petit dernier pour la round, oup là, allez, le 5ème pour la 50 script, et il a eu de la chance, parce que sur le timing, c'était la fin de la partie, un poil de cul avant, et il l'avait pas. Bon, ouais, bien joué à toi. 9ème place, on se retrouve avec Duo Mortel qui est en domination sur la map Biolab. Ça, je la connais parce qu'elle est quand même plutôt bien. Il prend le drapeau, boum, petite élimination, et il retombe sur le drapeau. Il a le nécro, il se dit putain, il a essayé de me prendre mon drapeau que j'ai dûment gagné. Et ah, il a raison, il y a du monde. Attention, collade, single, hop, single, et après un petit dernier pour la route, hop, un petit dernier pour la route pour la 50 screen. Bien joué à toi, Morse, viseur, zoom. Voilà, bon, il y en a pas mal de gens qui l'utilisent. Moi, je préfère le viseur normal, après chacun ses goûts. 8ème place, on se retrouve avec CKS qui est en momentum. Voilà, momentum qui est l'équivalent du au mode guerre qu'on avait sur World. Bref, il est déjà en 50 screen, et un petit dernier pour la route, et encore une fois 100 screen. Voilà, deux fois la 50 screen, c'est plutôt pas mal. Alors en français, c'est avantage le mode de jeu. 7ème place, on se retrouve avec Mazo, Prose, pardon. Hop, attention, Mazo, et ça, petit spike. Bref, Prose qui est en FFA avec le viseur thermique sur le Morse, effectivement. Le Morse qui est le seul sniper à verrou, donc c'est celui qu'on utilise le plus. Il a loupé une balle, c'est pas trop grave, il se retourne, boum, la 50 screen. Et attention, il y a quelques hop, 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 deux fois la 50 screen en mêlée générale, c'est plutôt beau gosse. Malheureusement, il a loupé une balle, mais le clip est quand même putain de bon. Bien joué à toi, 6ème place. Voilà, on se retrouve avec Mazo qui en mêlée générale sur la map Solar et qui est qui au viseur zoom. Voilà, viseur zoom sur le Morse. Et il va nous faire un très très joli enchaînement, puisque derrière il va monopoliser la feed. Et c'est ça qui est pas mal sur le fait que la feed reste longtemps à l'écran. On peut vraiment faire des bonnes séries et la monopoliser. Et ça, c'est vraiment génial avec un double 50 screen. Voilà, double 50 screen en mêlée générale. Bien joué à toi. Et 5ème place, on se retrouve avec Amsksai. Je sais pas comment on prononce. Bref, cette fois-ci, avec le sniper Atlas. Et vous allez voir que c'est un spécial du genre, puisqu'il va nous faire une petite élimination. Les ennemis sont sur le point d'avantage. Et attention, 1, 2, 3, 4. Voilà. Élimination multiple. Et alors, ça, c'est très très difficile d'en faire, parce qu'il faut être vraiment absolument rapide, c'est pas du tout comme Black Ops 2. Et voilà, en voiture enragée, 4 éliminations, c'est l'équivalent d'élimination multiple. Waouh, bien joué à toi. 4ème place, on se retrouve avec Tico qui a mené général avec le Morse, viseur thermique sur la map Biolab encore une fois, et qui va nous faire un enchaînement de pur des dieux. Voilà, attention, un petit à la droite, attention vers la gauche, il arrive, hop, attention, il a loupé une balle, c'est pas grave, il nous fait la quad feed, le mec il arrive pour être sur la 50 screen. Bien joué à toi, t'as sauté dans la fenêtre, t'es 50 screen, attention, il continue, re 50 screen. Alors la feed va commencer à disparaître, c'est pas grave, il va nous faire un petit enchaînement de 2 pour faire la quad feed, hop, une fois, encore une fois la 50 screen. Oh, elle ne s'arrête plus. Et un petit dernier pour la route pour refaire la quad feed. Un enchaînement de malade mental comme on aime voir, mais en général, bien joué à toi. Et 3ème place, on se retrouve avec Spark. Et là, ça commence à être du sérieux. Attention, il est avec le système double sniper en mêlée générale. Alors, c'est en italien, donc je comprends pas trop bien, mais je sais que c'est en mêlée générale. Et il va nous faire, alors, pour l'instant, un petit démarrage de partie. Alors, il commence à tâter un petit peu le terrain. Et vous allez voir que quand ça part, ça fait mal. Allez, boum, un kill. Hop, deux kills. Il swap sur le Atlas. Un kill. Attention, qu'est-ce qu'il arrive sur la gauche? Un kill. Il re-swap sur le Morse. Et derrière, il nous fait un 5ème pour la 50 screen, double snipe avec 3, avec 2 changements. Oh, beau gosse! 2ème place, on se retrouve avec X-Rays, qui va nous faire un clip. C'est la première fois que j'en vois un. Enfin, c'est le seul d'ailleurs que j'ai vu sur Advanced Warfare, et j'en ai vu des clips, attention! Boum! Triple headshot! Une balle, 3 headshots! C'est la première fois que j'en vois une sur Advanced Warfare, donc vraiment bien joué à toi. Et première place, on se retrouve avec Sir Ruler, qui va nous faire également le premier du genre. Oh, attention, ce clip, il envoie vraiment du très 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 lourd. Single, single, attention, la collate qui s'aligne sur la côte fille, attention, boum, la recollate pour la 600 screen. Oh mon dieu, 600 screen sur Advanced Warfare, on revoit avec le ralenti. Alors on voit très très rapidement la 600 screen, parce que c'est vrai que ça affiche différemment. Première 600 screen jamais mise sur Advanced Warfare, bien joué à toi. Bien joué également à tous les participants, parce qu'on peut dire que le jeu qui n'est même pas sorti depuis une semaine, on voit du très très lourd ce clip. Ah, franchement, j'ai vu ça, j'étais waouh, je m'attendais pas à avoir de si bons clips. Alors en tout cas, bien joué à vous, félicitations, merci à vous d'avoir envoyé clip, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ce top 10 là vous a plu. Faudrait être difficile, parce que oh putain merde, j'ai tapé le gaz.
Faudrait être difficile parce que les clips vraiment envoient du très très lourd. En tout cas, bah si vous avez des clips de malade sur Advanced Warfare, n'hésitez pas à l'envoyer top 5 à sniper@live.com. Voilà, vous prenez votre clip, vous le mettez sur YouTube, non répertorié, public, c'est quand vous voulez. Pas privé, je peux pas le voir. Eh oui, c'est con. Et vous m'envoyez le lien, l'adresse mail qui s'affiche à votre écran. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire, avis, probablement, tout ce que vous voulez. Bref, en dessous de la vidéo, petit pouce vert également, ça fait plaisir, c'est la récompense. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Et pour ma part, je vous laisse, je souhaite une excellente journée, que du bonheur, connaissez votre chose. Et je vous dis à la fois prochaine. Et ciao, bye bye. C'est vrai que j'ai parlé rapidement quand même. Allez, ciao.